Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 53 Toulouse. C'est vrai que ça fait longtemps, donc je profite d'un incident ménager pour pouvoir faire une vidéo. J'ai cassé ma plaque de cuisson. Alors, comme c'est moi qui l'ai cassé, j'ai décidé de faire la réparation moi-même parce qu'on sait très bien que ça coûte la peau des fesses de le faire faire par des étrangers. Alors tout ça c'est de l'improvisation totale, ok, j'ai rien préparé, j'ai commandé ma plaque sur le site pièces-tout-électroménager.com. Bon, ce site était très bien, les gars ils m'ont demandé la confirmation de la référence de ma plaque à induction que je leur ai envoyée. Le seul problème c'est que ça a mis 15 jours. Donc maintenant, ce qu'on va faire ensemble, on va changer cette plaque. Donc moi, j'y connais rien. Hein, je connais le béaba, l'électricité, savoir débrancher, soulever, tout ça, c'est tout ce que je connais. Donc on va faire l'ensemble, comme vous à la maison, vous pourriez le faire avec n'importe quel autre ustensile. J'ai regardé, pour changer la plaque en elle-même, ça m'aurait coûté 330 euros. Je suis allé sur le site en question, et le prix de ma plaque, frais de port compris, ça m'a coûté 130 euros. Donc je me suis dit, bon, vaut mieux une petite clique qu'une grande claque. Donc j'ai préféré procéder de cette manière. Alors avant tout, on éteint le compteur électrique. Pour moi, je n'ai pas besoin d'autre outil que ces deux tournevis. Alors, un tournevis électrique standard et un tournevis électrique pour détecter le courant. Alors, comment ça se passe pour ce tournevis? C'est un petit tournevis avec une petite diode fluorescente à l'intérieur. Lorsque vous mettez ce tournevis et vous appuyez sur le bout, si ça s'allume à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a du courant. Vous ne risquez absolument rien si vous appuyez dessus et que vous mettez ça dans une prise. C'est sécurisé. Pour éviter tout incident, je vous invite à avoir ces deux petits outils pour dévisser les vis dans le domino et pour pouvoir tester le câble électrique que vous venez de déconnecter normalement si le repérage sur le disjoncteur est correctement fait, qu'il n'y a plus de courant sur la prise. Je vous conseille également d'avoir une lampe de poche pour pouvoir éclairer l'endroit où vous allez traficoter. Je vais vérifier s'il n'y a effectivement pas de courant sur mon fil électrique pour éviter de me prendre pour jeu. Bon, comme vous pouvez voir, hein, là j'ai retiré les câbles, j'avais pas de courant, donc j'ai aucun risque de me prendre une châtaigne. Maintenant que j'ai débranché mon câble électrique, je vais retirer la plaque. Bon, la mienne, c'est pratique, elle est juste posée, elle n'est pas fixée. Hop, à soulever et hop, retirer. Tâchez d'avoir un tissu ou une couverture, vous savez, comme les déménageurs, pour pouvoir reposer votre plaque dessus. L'ancienne, on s'en fout un petit peu, mais la nouvelle, pour éviter qu'elle prenne une petite rayure ou quoi que ce soit, c'est bien pratique d'avoir ce type de petite couverture pour la protéger. Oups! Là, je l'ai terminé, je ne peux même plus l'utiliser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est franchement de l'improvisation, je ne sais pas comment on fait. Hein. On va voir, ici je vois des petits clapets qui doivent retenir la plaque. Bon, je vous invite à, en fait, je pense qu'à deux pour enlever la plaque, je pense que ça serait plus pratique parce que, en fait, il y a comme des petits boutons poussoirs qu'il faut venir appuyer dessus et ensuite relever le tout. Voilà. Ok, je vous invite aussi à prendre une petite paire de gants parce que avec l'arête de l'aluminium, ça fait mal aux doigts. Pas facile, hein? Alors normalement, il ne devrait pas y avoir de problème lorsque je vais venir poser la plaque à remplacer parce que comme vous pouvez le voir, c'est simplement un emboîtement. Donc il faut que je remette exactement la plaque future de la même manière. Alors on profite de cette petite manipulation technique pour nettoyer autour du joint. Comme je vous l'ai dit, la référence de votre plaque, vous la trouverez sous la plaque ou sur le côté. Il la faudra impérativement. Ce qui est bien avec pièces-tout-électroménager.com, c'est que je leur ai envoyé les données manuscrites. Ils m'ont demandé confirmation pour être certain que je ne me suis pas trompé. Donc j'ai pris en photo les références de la plaque que je leur ai envoyé par mail. Ils m'ont dit c'est ok, ça correspond, on vous envoie la plaque. Maintenant nous allons procéder au déballage minutieux pour éviter de la recasser
une seconde fois, parce que là j'aurai les boules. Donc on y va. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, petite paire de gants. On va essayer de faire ça correctement. Donc normalement j'ai qu'à prendre cette plaque, venir la positionner par-dessus. Bon, tout à l'heure, j'étais embêté avec les ergots pour l'enlever. Mais là, a priori, il faut se servir des repères, des petits ergots, parce que là, ici, juste au-dessus, vous avez un petit cran qui va venir s'enclencher ici. Donc logiquement, ça devrait être bon. Alors, je vais le soulever, parce que là, j'ai vu qu'il y avait des boutons, des interrupteurs. Donc, il faut surtout que ça soit mis correctement, quoi. Parce que si ce n'est pas mis correctement, on ne pourra pas appuyer sur les boutons. Donc, on prend bien garde à ce que ça soit en face. Ok, donc je me positionne. Je fais un ouf de soulagement, j'ai réussi à remettre correctement ma plaque. Donc maintenant je vais la repositionner et je vais recâbler l'ensemble. Bon, lampe de poche en panne, il faut changer aussi les piles de temps en temps de la lampe de poche, sinon ça ne marche pas. Avec ma lampe de poche, j'essaie de discerner si j'ai bien centré les plaques à induction qu'il y a dessous, parce qu'elles sont légèrement, amovibles. Donc si je ne les ai pas mis au bon endroit, je risque peut-être d'avoir un souci lors des prochaines cuissons. Je m'aperçois que cette manip, j'aurais peut-être dû la faire avant de monter ma plaque. Ici, c'est bien centré, là aussi. Donc ça correspond vraiment à ma plaque, hein, je suis super content. Donc maintenant, rebrancher le courant électrique. Ne faites pas comme je viens de faire, c'est-à-dire je n'ai fait aucun repérage. Mais bon, j'ai une petite habitude avec les câbles électriques, donc il n'y a pas de souci. Je vais descendre un petit peu. Voilà, j'ai rebranché. J'espère que ça va fonctionner. Je vais retourner mettre le... Ça va, j'ai branché, j'espère que ça va fonctionner. Je vais retourner mettre le disjoncteur. Petite erreur à ne pas commettre comme je viens de le faire. Regardez dans le tiroir, j'ai mis le câble qui passe dans le tiroir. C'est-à-dire que si je remets tout normalement, eh bien, c'est pas possible. Donc il faut que je retire le câble électrique et je le mette derrière le tiroir. Ça marche. On peut dire que ma réparation a été concluante. Ça m'a pris 25 minutes plus les 15 jours d'attente pour recevoir ma plaque. Et le dernier point qui est l'essentiel, c'est le site qui m'a permis à faire cette réparation. Enfin, le site non, mais m'a permis d'avoir cette pièce détachée. Donc, je le répète, j'étais agréablement surpris par le service après-vente et tout le reste. Donc, je tiens à les saluer. Hein. Cette pièce toutelectroménager.com. Voilà, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Par mon action, j'ai fait un geste pour la planète. Parce que je n'ai pas changé l'ensemble de ma plaque, j'ai juste changé la plaque de verre. J'ai totalement improvisé la totalité des choses, j'ai rien préparé du tout. Hein. J'ai demandé à ma femme de filmer. Merci ma femme. Merci. J'espère que vraiment ça vous sera utile. Et je pense que dans certaines occasions, il ne faut pas hésiter à se salir les mains. Regardez YouTube, regardez Google, posez une question. Si vous avez une interrogation, vous y trouverez toutes vos réponses. Et ça, dans n'importe quel domaine. Je dis bien dans n'importe quel domaine. Voilà, si vous avez des questions, posez-les moi. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine fois. Oui, mais encore. Avant de repartir triomphant, je vous invite quand même à passer un coup d'aspirateur pour éliminer tous les petits éclats de verre qui seraient venus se mettre sur le sol ou autour de la gazinière. Voilà, c'est un petit point de sécurité supplémentaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et ciao les amis.